Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Karel, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de tourner cette vidéo-ci. Donc voilà, j'étais en train de faire un TikTok, j'ai dû m'arrêter parce que pendant que je faisais mes TikTok, j'ai reçu ma commande, donc mes paquets sont arrivés. Voilà, j'avais passé des commandes de Shushi Ins et elles sont là donc. Je regarde la vidéo parce qu'elles sont là. Et j'ai reçu donc les paquets, j'ai déposé, j'ai regardé, j'ai ouvert pour voir un peu vite faire là et puis je me suis dit ok. Voilà, de toutes les façons, j'avais déjà prévu de faire mes TikTok. Donc j'ai continué tout simplement à filmer mes TikTok et après je me suis dit pourquoi pas montrer tout simplement ce que j'ai commandé. Voilà, donc on va ensemble découvrir vraiment, parce que là j'ai déjà regardé un petit instant. Donc comme vous pouvez le constater, ça, donc j'ai ouvert, c'est arrivé comme ça, donc j'ai déchiré le truc, le plastique. Donc j'ai déchiré, voilà, donc voilà, ça arrivait comme ça, j'ai complètement enlevé pour voir, j'étais excitée en fait, donc quand j'ai reçu mes paquets, j'étais excitée, donc j'ai, voilà, j'ai fait, donc je vais mesurer, donc je n'ai pas encore mesuré, donc là je vais mesurer les articles et puis ensemble, on verra bien, donc voilà, donc je suis trop contente et en plus c'est la première fois que je fais un haul. Donc c'est la première fois que je vais vous présenter un haul, je n'ai jamais fait ça. Commencez, je reviens et voilà, à très bientôt. Salut tout le monde. Voilà le deuxième vêtement de Shushi Ins, la deuxième robe. Je vous jure, j'adore. Je suis trop fan de la robe. Ouh, belle soirée, belle sortie. Ouh, j'adore. Ouh là 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 là. Attendez, hein, je vous présente ça de loin. Vous montrer le vêtement en entier. J'adore beaucoup, énormément la matière et tout. Je respire dans ce vêtement, je respire vraiment dans cette robe et c'est ça le plus important pour moi. Vous avez constaté cette pochette également, je l'ai commandée chez Shein Ins et je tiens à préciser, c'est la toute première fois que je commande des sacs chez Shein Ins. Si je me suis décidée à le faire et je ne suis vraiment pas du tout déçue. En tout cas, j'adore cette pochette aussi. Ça, par contre, là, tout à l'heure, quand je l'enlevais, je vous le montre tout de suite. Ça, c'est également que j'ai commandé chez Shein Ins. Et franchement, j'ai ouvert, je me suis dit, ouh, ça a l'air joli et tout. Et la grosse surprise. Coupé. Je ne comprends pas. Ça s'est coupé. Donc, vous convenez avec moi que je ne vais pas garder ça. Donc, je vais retourner ça. Ça s'est coupé. Mais j'adore ma robe. Et vous avez également constaté la chaussure, la fameuse chaussure jaune de tout à l'heure. Voilà. Je l'ai commandé chez Shein Ins. J'adore. Je suis complètement fan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. En début de vidéo. J'ai l'impression que je vais redire même chose deux fois. Mais bref, dans tous les cas, je suis complètement fan de la chaussure. J'adore cette nœud de papillon. J'adore la chaussure en elle-même. Elle est... Je crois que j'ai déjà dit ça. Ça me paraît bizarre, mais je ne suis plus très sûre.
Bref, dans tous les cas, j'adore énormément la chaussure. Comme vous pouvez le constater, le talon, il est agréable. Je ne sais pas combien de centimètres ça faisait. Bref, j'ai même pas regardé le centimètre. Quand j'ai vu la chaussure, dès que j'ai vu le nœud papillon, là, je me suis dit, ouh, ça peut être très intéressant. Et j'ai tout de suite commandé. Et je voulais aussi essayer les chaussures de Chouchi Inns parce que je n'ai jamais commandé les chaussures de Chouchi Inns. Je commandais par contre les vêtements bien déjà avant, dans les vêtements que je commande chez Inns. Mais par contre, la chaussure, j'ai jamais essayé de chaussures chez Inns. Depuis peut-être 3 ans maintenant que je commande chez Inns, je n'ai jamais commandé de chaussures là. Donc, c'est la toute première fois que j'essaye et je suis complètement fan de ces chaussures-ci en tout cas. Et elles sont agréables à porter. Le petit bémol, par contre, c'est. Je crois quand même que l'élastique du derrière, j'ai l'impression que je crois que c'est mon côté droit. Il ne tient pas bien mon pied. Par contre, celui-ci tient bien mon pied, c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Mais j'adore, mais malgré cela, quand même, je ne vais pas renvoyer parce que j'aime la chaussure, je l'aime beaucoup, elle est toute belle. Et c'est, voilà, non, c'est la taille 39, je chausse du 39. Donc, on va passer au prochain vêtement et autant mieux vous montrer une fois le dernier sac que j'ai commandé chez Inns parce que j'en avais pris 3. Je vais vous montrer le troisième. Donc, voilà, je suis de retour. Il y a également ce sac que j'ai commandé chez Inns. Voilà. Voilà l'intérieur, j'aime pas. J'aime pas du tout l'intérieur, il est vide, il est je ne sais pas trop. Mais par contre, j'ai la sensation, par contre le modèle, la coupe en fait, elle me plaît bien. Et je crois que pour son prix quand même, je pense qu'il n'était pas assez cher. Je ne sais plus à combien j'avais pris ça. Bref, je vais vous laisser tous les prix et tout. Je vais écrire même si je ne retrouve plus les liens, je vais quand même écrire pour que vous puissiez aller vraiment taper l'article et le retrouver. Mais l'intérieur par contre, voilà, il est nul. Je vous montre également les intérieurs de... Voilà, de l'autre sac et tout. Je préfère par contre mieux cet intérieur, cet effet tissu à l'intérieur quand même. De... Voilà, c'est mieux. Et voilà, l'intérieur de celui-ci. Il n'est pas gonflé, hein. J'ai juste mis un truc à l'intérieur pour gonfler le sac parce que je vais porter vite fait là. Donc voilà l'intérieur et tout. Donc voilà. Allez, on passe tout ce que j'ai trop bavardé. J'ai porté la troisième robe. Je l'adore, elle est vraiment trop belle. Elle est trop trop belle. Donc voilà, je pense que ça ne sert plus à rien que je vous présente la chaussure. Vous avez assez vu ma fameuse chaussure jaune de chez Inns que j'adore. Je suis devenue fan. Je crois que je vais commander d'autres chaussures chez Inns. Donc voilà, donc vous avez vu la chaussure. Ça fait même le drapeau du Cameroun, hein. Vert, bon il manque le rouge. Bref, vert, rouge, jaune. Ça, c'est une fente fantastique. Ça, c'est une fente fantastique. Donc, voilà, voilà, voilà. Franchement, la fente, là, non, j'ai peur. Ou peut-être je vais mettre une, je sais pas. Les amis. Voici la dernière robe. Elle est trop belle. Ça me réussit. Et le pied, alors, j'adore le petit blanc qui a ici en bas. J'adore. Je m'augmente un peu la taille comme ça. Je sais pas si ça se voit. Ça me prend trop bien. Et en plus, c'est bon. Elle est venue avec une ceinture. Je crois que la ceinture était ici. Mais moi, j'aime bien. Je la préfère déjà sans ceinture, pardon. Oh, la robe est venue avec une ceinture. Et voilà. Bon, je vous ai dit déjà que je la préférais sans ceinture, sans l'avoir même portée, parce que je trouvais qu'elle était assez belle ainsi. Et je ne me suis pas du tout trompée. Déjà, la ceinture me donne un effet. D'avoir beaucoup mangé, ça m'étrangle même. Vu le voir, mon petit ventre, il est sorti. Ça ne me plaît pas trop. Faut que je fasse du sport. Donc, voilà un peu. Et j'ai constaté que voilà, juste en portant la ceinture, regardez la matière, le tissu, il s'est un peu
Et si c'est le cas, je pense que si une petite aiguille touche seulement la robe, c'est là, c'est fini. Donc, vous avez vu. Je sais pas si ça se voit. Est-ce qu'on voit même? Oui, ça se voit. Donc, je pense que si un petit truc touche ma robe, elle est foutue. Bon, ce n'est même pas encore ma robe parce que je mesure encore seulement et pour voir. Ouf, je peux dire que le détail qui me gêne ici, c'est ma poitrine. Mon balcon, il est dehors. Et j'ai l'impression d'étouffer. Je ne sais pas si ça se voit ça. Mais j'ai l'impression que j'étouffe là à l'intérieur. Si je bois un peu d'eau là, c'est fini. C'est foutu pour moi. Je vais gonfler beaucoup. Mais franchement, elle est trop belle la robe. Je vais essayer de vous faire, voilà, de vous montrer ça de loin. Pour l'instant, vous voyez ça comme ça. Je vais vous montrer ça de loin pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de voir. Sans robe. Déjà, la ceinture est jeune. Donc, si je garde la robe, je pense que je la porterai sans ceinture, comme je vous l'ai dit au départ. Parce que je les mets déjà comme ça. Mais je trouve que mon balcon, il est trop dehors. Mon balcon, il est trop... mon balcon n'a pas de parasol. Je ne peux pas, je peux pas le garder. Malheureusement, regardez. J'ai l'impression qu'il me sert. Et à cette robe, attendez. Voilà. La robe précédente, qui est celle-ci, vous l'avez vue. C'est typiquement le même modèle. Mais quand je le portais, vous voyez que voilà, ça m'allait super bien. Je n'avais pas l'impression d'être serrée ou quoi que ce soit. Ou bien la première fois que j'ai mesuré, je n'étais pas serrée. Mais celle-ci, par contre, j'ai l'impression que j'étouffe et tout. Désolée, je ne vais pas la garder. Elle est vraiment très belle. Attendez, hein, je vous montre la fin que je porte ma fameuse chaussure jaune. De chaussure Hinz que j'adore. Et puis, on va continuer. Je commence à adorer les hauls. On va faire les hauls. Ok, attendez, je reviens. Chaussure, elle est arrivée comme ça. Ok, pas grave. Attends, j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, elle est arrivée comme ça. Je fais directement un unboxing rapide. Donc voilà la chaussure en question. J'ai adoré cette chaussure parce que elle est, on va dire, multicolore arc-en-ciel. Ça va passer avec tout. Et donc voilà, honnêtement, j'espère qu'il m'ira bien. Donc, honnêtement, j'espère qu'elle m'ira bien. Et donc, voilà. J'ai aussi aimé l'effet chaîne et tout. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais porter ça. Avec cette robe, je vais plus changer parce que c'est la dernière robe. Et avec le dernier sac, l'autre sac jaune là dont je vous ai présenté la coupe et tout. Et on va se dire après... ce que je vous disais, j'ai mis... petit vêtement à l'intérieur, bref, mon vêtement de tout à l'heure à l'intérieur. Mon vêtement avait la forme fantastique à l'intérieur et voilà un peu, j'adore. Et voilà la chaussure en question, elle est toute belle, hein? Elle est vraiment toute belle. Mais le petit hic, c'est que mon pied cherche un soutien, vous voyez un peu. Donc je crois que je vais pas du tout la garder. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le haul vous a plu, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. Dites-moi surtout quelle est la robe que vous avez aimée. Je vais malheureusement garder deux robes. Et toi, n'hésite pas à me dire quelle est la robe, parce que moi je vais retourner. Voilà, donc je pense quand même que j'ai quand même pu donner mon avis et tout, voilà. N'hésite pas. De me laisser ton avis et aussi de me suivre sur mon réseau social Instagram si tu ne me suis pas encore, et je n'oublie pas également TikTok, hein. Donc je l'ai déjà dit au début, je te le dis encore, je te le rappelle encore, je vais laisser le lien en bas d'information, je vous y attends. Et voilà, donc
Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et à très 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 bientôt. Mouah.